Seigneur, mon Père, notre Dieu, sois loué, sois béni, parce que tu nous as amenés ici. Nous prions que tout le temps que nous passerons dans ta maison soit riche en bénédictions pour un frère ou une sœur, au nom de Jésus. Je demande que tu nous rendes capables de faire des exploits aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Viens nous inspirer. Viens nous donner de l'énergie, du tonus pour t'implorer et pour toucher ton trône aujourd'hui. Que quelqu'un rentre marqué pour toujours. Que quelqu'un ait le souvenir de ce jour. 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après, des semaines plus tard, des mois plus tard. Parce que Dieu aurait fait de grandes choses au milieu de nous. Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Nous nous appuyons sur toi. Viens et tes enfants se réjouiront en toi. Que l'Esprit meure aujourd'hui. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur nous. Souffle sur cette assemblée. Afin que quelqu'un s'affaisse devant ta présence aujourd'hui. Saint-Esprit, qu'il ne se fasse rien de mécanique ici, de charnel ici, mais que chacun soit poussé par l'Esprit ce midi. Que un chantre soit poussé par l'Esprit, qu'un ancien soit poussé par l'Esprit. Que le nouveau qui est parmi nous soit poussé par l'Esprit. Que les prédicateurs, chacun de nous, à quel niveau que nous sommes, que ceux qui sont en ligne soient poussés par l'Esprit. Mais qu'il se fasse dans nos vies de grandes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. All the time. And God is good. Bien, vous savez que les derniers dimanches, nous les consacrons à la prière. Si tu es là aujourd'hui, tu dois t'estimer heureux. Ça c'est amen de cacher ça. Amen. J'ai dit tu dois t'estimer et t'estimer heureux. Amen. Parce que Dieu a laissé une promesse à nous tous qui venons le chercher. C'est que quoi? Vous me chercherez. Vous me trouverez. Il dit, vous allez me trouver. Je ne veux pas dire que je suis occupé. Le jeudi, non, le mercredi, il y a une soeur qui ne m'a pas appelé, elle dit qu'elle veut venir me voir, elle veut me voir, mais il n'était pas lui. Et je ne l'ai pas reçu. Elle est encore revenue le jeudi. Le jeudi, je ne suis pas aussi libre. Je ne l'ai pas aussi reçu. Et elle a attendu depuis 11 heures qu'elle veut me voir. J'ai fini la rencontre avec les enseignants à 14h30. À 15h, j'ai une autre rencontre à l'université. Mais j'ai dit que si je ne la reçois pas maintenant, c'est comme si je ne veux plus d'elle. Et je lui ai crié un petit temps, entre 30 minutes, entre 14h30 et 15h pour la recevoir. Ouais, ça c'est nous ça. Dieu a dit, vous me chercherez. Hein? Vous allez me trouver. Il n'a pas dit, je dirais que je suis occupé, je m'occupe pas du frère Josué. Je ne peux plus m'occuper de toi. Dieu, lui, peut s'occuper de tout le monde à la fois. Moi, je ne veux pas le faire.
Donc ce soir que tu es venu, si tu es sérieux, il s'occupera de toi, il s'occupera de l'autre, et nous rentrerons richement bénis. Amen. Amen. J'ai titré la prière de ce soir, la prière pour la force. Je vais vous conduire dans la prière et c'est pour que tu aies la force. Luc chapitre 21, verset 36. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le dimanche passé, je vous disais que des gens ont connu un secret dans la Bible. C'est que quoi? Ils ont appris à ne pas faire les choses comptant sur leur force. Et c'est ce que Paul a dit. Il dit, ce n'est pas dit que nous soyons capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de Dieu. En d'autres termes, notre force nous vient de Dieu. Que je sois capable d'entreprendre un projet et de venir à bout de ce projet, ce n'est pas que je sois fort financièrement, fort économiquement, mais cette capacité vient de Dieu. Que de janvier 2021 à décembre 2021, que je ne tombe pas malade et que mon système immunitaire soit robuste et qu'aucun virus, pas même corona, ne puisse déracer mon système immunitaire, ce n'est pas dit que ça provient de moi, mais ma force vient de d'où? Ça vient de Dieu. Que je sois robuste et que mon front soit dur, plus que de l'air, et qu'il n'y ait pas de sorcier dans la famille, paternelle, maternelle, dans la belle famille. Qu'il n'y a pas de sorcier dans l'environnement immédiat et dans l'environnement lointain qui puisse me terrasser. Ce n'est pas dit que nous serons capables par nous-mêmes, mais notre force. Nous tirons notre force de quelque part. Je veux que quelqu'un comprenne que s'il veut compter sur ses forces, sa vie n'aura pas un grand impact. Vous m'avez compris? Si tu veux compter sur ta force intellectuelle, ton quotient, tu ne vas pas faire un grand impact. C'est pourquoi Jésus lui-même, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, il y a des choses qui vont arriver. Dans ta famille, des choses vont arriver. Quand tu vas te marier, des choses vont arriver. Quand tu seras dans un service, des choses vont arriver, des vents vont souffler. Mais si j'ai un conseil à vous donner, qu'est-ce qu'il dit? Veillez donc et priez afin que vous ayez la force. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Quelqu'un est dans cette salle aujourd'hui, il va prier pour avoir la force. Je vous disais le dimanche passé qu'il y a des gens au milieu de nous, ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Ils ne peuvent rien faire qui soit agréable au Seigneur. Ils essaient de mentir, n'est pas bon, mais ils n'arrivent pas. Ils essaient de masturbation, n'est pas bon, ils n'arrivent pas.
Il sait que quand je pêche, je vais aller en enfer. Mais parce qu'il est faible, il fait ça toujours. Si tu es au milieu de nous, le secret, c'est ce que Jésus a dit. Priez et priez, et vous aurez la force. Nous avons besoin de la force pour vaincre le péché. Nous avons besoin de la force de Dieu pour vaincre le mal. Il dit, Dieu, je ne veux pas sortir par cette porte sans que tu me donnes la capacité que tu as donnée à ceux qui témoignent de vaincre le mal, de dominer le mal. Si tu es comme ça, tu auras un grand témoignage. Mais si tu ne veux pas prier, et tu attends que ce soit ton papa, peut-être que ton papa est pasteur, c'est lui qui va prier pour moi, sinon moi, même là, je n'arrive pas. Ou bien tu attends que ton mari, bon, moi-même là, tu même sais que je suis sexe faible, mon mari va prier. Si tu es comme ça, tu vas sortir faible. Mais si tu peux prier, je ne sais pas pourquoi l'image là me revient. Ça doit remonter à 2006 ou bien 2007. Je prêchais aux étudiants ici, dans l'amphi resto au campus nord. C'était un moment de prière comme ceci. Et j'ai dit que pendant qu'on va commencer à prier, si quelqu'un ne veut pas prier, laissez-le, il peut partir. Mais si toi tu peux prier, la honte qui est sur ta vie va partir. Il y avait un jeune homme dans la masturbation pendant 3 ans qui ne peut pas rester un seul jour sans commettre. Bien sûr. Mais quand on a fini le programme là, il rendait le témoignage, si j'ai bonne mémoire, 3 semaines plus tard, que Dieu lui a rendu capable de dominer le mal. Et c'est devenu naturel pour lui. C'est ça le secret. Si tu peux t'appuyer sur Dieu, il te communiquera la force dont tu as besoin pour dominer le mal. Mais si pendant que tu pries, tu es là, tu mets la main dans la poche, tu regardes, tu prends les frais dans ta poche. Frère, on va partir d'ici. Les gens auront leur paquet, tu n'auras rien. Que Dieu nous donne cette grâce d'avoir ce discernement. Tu as besoin de la force. J'ai besoin de la force. Pour confronter. Coronavirus. Les gens vont dire que je suis en train de spiritualiser les choses. Tout est spirituel. C'est pas moi qui ai commencé par spiritualiser les choses. Vous avez vu l'histoire de Anne? Qui a vu l'histoire de Anne? Tout le monde, non? Anne. Qu'est-ce qui caractérisait Anne? Hein? La stérilité. La stérilité, c'est quoi? C'est une maladie, non? Ou bien? Elle était stérile. Elle ne pouvait pas concevoir. Un enfant ne pouvait pas être formé dans son corps. Elle était faible. Et elle allait faire quoi? Prier, non? Ou bien, c'est pas ça? Hein? Elle allait prier. Et quand elle a fini de prier, Dieu l'a visité. Dieu va visiter quelqu'un, quelqu'un ce soir. Et quand Dieu a fini de la visiter, qu'est-ce qu'elle a dit? 1 Samuel chapitre 2, lisez le verset 1. Il dit, Anna pria et dit, mon cœur se réjouit à l'éternel,
ma force a été relevée par l'Éternel. Ma force a été quoi, toi? Relevée par l'Éternel. Ça veut dire que sa force était à un niveau très 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 bas, qui ne lui permettait pas de faire certaines choses. On est d'accord? Voilà. Elle est d'accord? Hein? La force, peut-être que pour toi, ce n'est pas dans le domaine pour concevoir. Hein? Peut-être que pour toi, c'est sur le plan académique. À cause du niveau de ta force, il y a des choses que tu ne peux jamais faire. Des matières que tu ne peux jamais réussir. Il y a des choses que tu ne peux jamais faire au service. Parce que les gens de ta famille n'ont pas l'habitude de faire ces choses. Ou bien les gens qui ont la peau noire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu peut relever ta force. Est-ce que tes yeux s'ouvrent? Il peut relever ta force. Il peut relever ta force. Peut-être que ton système immunitaire est tellement faible que tu tombes malade très souvent. Ou bien, docteur, je sais pas, quand ton truc là est faible là, c'est quoi vous appelez? Globule quoi, voilà, c'est quoi? Est-ce que tu tombes malade? Mais mon Dieu peut relever. Hein? Amen. 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 Elle dit ma force à dire. C'est ce que je souhaite pour toi. C'est pour ça que nous sommes prêts. Seigneur, tu vas relever ma force. Et il manque à terre. Je vais lire certains versets pendant qu'on prie. Mais permettez-moi de lire encore deux et on va commencer à prier. Dans les sceaux. Le psalmiste dit que il y a un ennemi déterminé contre sa vie. Et cet ennemi faisait quelque chose. L'ennemi là le poussait pour le faire tomber. Quand il y a une influence démoniaque qui opère dans ta famille, qui opère contre les gens qui sont nés de ton grand-père et de ta grand-mère. Il y avait une fille, Christian Foulet, que j'ai connue. Que tous les enfants de sa grand-mère, personne ne réussit jamais. Et ils sont partis demander à grand-maman. Regarde, tous les enfants. Et grand-maman lui dit, vous ne comprenez pas, nous on sait ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons fait un vœu à une idole que nous n'avons pas honoré. Et c'est ça qui est contre vous. Donc donnez-moi l'argent, nous irons apaiser l'idole. Et puis ce serait tout. Psaume 118, verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais il dit quoi? L'Éternel m'a secouru. Amen. Seigneur, je prie que tu secoues quelqu'un à présent dans le chemin. Rébouchez. Une image est venue dans ma tête. À la même période, comme ça, il y a de cela 4 ans. Un 17 avril. Je conduisais sur un highway aux États-Unis avec ma famille. Et puis la circulation s'est bloquée et je m'étais arrêté. Tout le monde s'est arrêté donc. Bon, vous savez que quand il y a feu rouge, par exemple, on s'arrête, non, on ne s'inquiète de rien.
Et du coup, j'attends. Bon. Il y a quoi? Et puis, il y a une dame qui est dans une grosse voiture. Je ne sais pas si c'est pas jour ou je ne sais pas c'est quoi. Une grosse voiture. Moi, je conduisais le Volkswagen Jetta. Et elle est sortie tenant la tête. Parce qu'elle pensait que on est mort, quoi. Et elle dit, comment se fait-il qu'avec toute la force avec laquelle elle m'a cogné là, la voiture n'a pas bougé, la voiture est restée sur place. Qu'en réalité, elle ne m'a pas cogné de gré. C'est qu'elle aussi, une autre voiture n'a cogné pas derrière. Vous comprenez, non? Et quand la voiture l'a cogné, l'autre, la voiture l'a propulsé. Et elle aussi, avec l'énergie qu'elle a reçue de l'autre côté, elle est venue aussi me propulser. Parce que moi, je viens tomber. Je lui dis, tu ne veux pas comprendre que moi, là, c'est le ténèbre. C'est le ténèbre qui m'a immobilisé là-bas. Alléluia, amen. Je ne sais pas qui te pousse pour te faire tomber. Aujourd'hui, si tu peux prier, qu'est-ce qui va arriver? Le ténèbre va te secourir. Je ne sais pas celui qui est déterminé, qui a dit que non, 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 celui-là, non, ta tête ne nous plaît pas. Si tu peux prier, soeur, je ne te trompe pas. Le ténèbre va te secourir. Et quand le ténèbre te secoue, il te donne quoi? Sa force. La force de Dieu pour confronter tes ennemis. Il y a des ennemis qui existent. Il y en a que tu vois, il y en a que tu ne vois pas. Mais avec la force de Dieu, tu vas tenir. 1 Samuel chapitre 15, verset 29. 1 Samuel 15, verset 29. La Bible dit, celui qui est la force d'Israël. Ah, tu as vu? Tu vois, quand on dit qu'Israël fait des exploits, il tue les gens, il fait tomber les gens ont peur, les gens s'enfuient. Quel est leur secret? Ils ont une force. Celui qui est la force d'Israël ne ment point. Celui qui est la force d'Israël. Qui est ta force? Tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? La force d'Israël. Quand vous lisez de Jésus, dans Actes chapitre 10, verset 38, la Bible dit quoi? Dieu a moins du Saint-Esprit et de force. Force. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu me rende fort. Il n'y aura pas de péché qui peut me dominer. Il n'y aura pas de maladie qui peut m'abattre. Il n'y aura pas de démon qui puisse me combattre. Il n'y aura pas de situation ou bien d'homme qui peut me pousser et me faire tomber. C'est pour ça que moi je suis là. Je veux que tu fasses comme moi. Va prier pour avoir la force. La force. Et ça serait fait. Il y a ce compositeur qui a chanté You are the pillar that holds my life. Ce bâtiment ne tiendra pas s'il n'y avait pas ce poteau robuste comme ça. Je ne veux pas mourir prématurément. Vous pouvez noter la date à laquelle je vous ai dit ça. C'est 24 aujourd'hui, non? 25 avril 2021. Que je vous ai dit que je ne mourrai pas prématurément. Ce n'est pas la bouche. C'est que, après avoir dit ça, souviens-toi que je lui ai dit ça. Sois la force de Marie. Toi qui as relevé la force de A,
relève ma foi. Dieu veut relever ta force. You are the pillar that holds. Vous êtes venu de où? You are the pillar that holds. I am Master Jesus. You are the pillar that holds. Et que
Jésus a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Seigneur, Seigneur, donne-moi la force de vaincre toute forme de péché, toute forme de tentation, toute forme de finition, toute proposition du diable. Ce que le diable envoie dans la pensée, ce qu'il envoie des chances pour venir me dire, je prie aujourd'hui, je prie aujourd'hui. Seigneur, Seigneur, rends-moi capable de dominer le mal, de dominer le mal, que le mal ne me domine pas. Rababa Shikoria Baba Sakaraba. Robotaya Baba Shikoria Baba. Je ne tomberai pas. Seigneur, je prie. Je prie. Que tu me rends robuste. Que tu me rends costaud. Afin que je sois ce jeune homme. Cette jeune dame qui ne va jamais tomber. Rabba Mosada, Rabba Shiboya, Rabba.
Rima kanolo bosoko ina baba. Bala na la bosaka nolo boshika.
L'apôtre Paul dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Nous avions eu une conduite juste, sainte et irréprochable. Ce Dieu qui leur a permis de vivre comme ça et d'être irréprochable, c'est notre Dieu. Et c'est le Dieu que nous sommes venus invoquer aujourd'hui. Tu vas prier, tu vas dire Dieu. Pour tout le restant de ma vie, donne-moi cette force d'être réellement irréprochable, juste, sainte, pure, intègre, à créer la vie. Il dit, ce qui fait notre gloire, c'est que nous avons vécu au milieu de nous. Et nous étions irréprochables. Mandala Boshikabao. Inala Boshikabo Yama. Quelqu'un en train de prier, dit Dieu. Dieu, je ne serai pas l'hypocrite qui est un Christian Fellowship, non, parce qu'il est faible. Mais rends-moi capable, Seigneur. Donne-moi cette force, Seigneur, de haïr le péché comme tu fais le péché. Tu ne pries pas. Chance, ne laisse pas cette opportunité. Seigneur, pourquoi Jésus n'avait pas cédé à la tentation du diable? N'est-ce pas que tu lui as donné la force? Le diable lui a proposé beaucoup de choses, il a dit non. Seigneur, nous prions et nous demandons, Seigneur, de nous rendre capables de dire non, nous aussi, et que nous soyons irréprochables, nous soyons irrépréhensibles. Seigneur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Rabba Shekao Yamaru Sanalabo. Iba Kamao. Rebadalaba Shekalaba. Rebadalaba. Ceux qui vont vivre et plaire à Dieu dans cette génération. Compte-moi ma vie, Seigneur. Ceux qui ne tomberont pas dans l'immoralité, ceux qui ne vont pas rater l'enlèvement, ceux qui ne feront pas des bêtises. Seigneur, nous prions pour cette force au nom puissant de Jésus. Que celui qui est debout regarde tomber. C'est ce que l'apôtre Paul nous a dit. Celui qui est debout regarde tomber. Seigneur, je veux recevoir la grâce pour être intègre et pur aujourd'hui. Nous prions au Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Rebakatoriaba. Robo Shikabo Sandala. Vida de Jesus. Rebakatoriaba. Vida. Rebakatoriaba. Nous avons prié au nom de Jésus. Un a dit que l'Éternel a relevé sa force. Pourquoi tu tombes malade? C'est parce que ton organisme est faible. Ton système immunitaire est faible. Aujourd'hui, nous allons prier. La prière que Anne a faite. Dieu a relevé sa force. Reba Katala Bushekalama. Reba Kalama. Est-ce que tu peux me dire le jour où Jésus est tombé malade? Hawaba Katayama. Modaba Sheka Boyama. Seigneur, je prie que tu me donnes la force. Rikotayama. Maladie ne puisse me terrasser. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Et si tu es malade parmi nous, le
Seigneur, relève notre force, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu relèves notre force, Seigneur. Que tu relèves notre force, Seigneur. Toutes les maladies générationnelles, les maladies qui sont dans la famille, la maman est mort prématurément, le papa est mort prématurément, l'oncle est mort prématurément. Seigneur, relève notre force. Relève notre force. Qu'on ne parle pas de maladie au milieu de nous. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Seigneur, je prie. Il n'y a pas de malade au milieu de nous. Tu es l'Éternel qui nous guérit. La force d'Israël. Tu es la force d'Israël. Pendant tout ce temps qu'ils étaient en désert, ils ne sont pas tombés malades. Lord, I pray. Be my strength, O God. Be our strength, O God. In the name of Jesus. Tous ceux qui sont au milieu de nous, qui sont malades, tu peux lever la main. L'Assemblée va prier pour toi aujourd'hui. Mansana la moshe kaburi la mama. Oro bokana la masoko le moshe mama mama masoko to le moshe kalama. Mana la mama masoko ina la moshe moko ya la mosana la mama. Ina la mosana la mama. Si la maladie là est dans ce corps, c'est parce que il est plus fort, elle est plus forte que le système immunitaire là-bas. Il est plus fort que l'organisme là. Mais je prie que l'Éternel relève ta force là. Makoto Roboshika Babosakata là-bas. Seigneur, je prie que le malade soit guéri. Que frère prie pour que le malade soit guéri. Le malade sur cette ligne soit guéri. Le malade au milieu de nous soit guéri. Le malade à Christian Fellowship soit guéri. Nous prions, Seigneur. Vanara Mashiko Yamara. Seigneur, nous prions, nous prions, nous prions aujourd'hui. Nous prions aujourd'hui. Parce qu'il prie en toi. C'est toi le Dieu qui guérit le mot de ventre là-bas. C'est toi qui détruis le fibrome là-bas. C'est toi qui guérit là. Hypertension, donne à ma maçon de le moshika là-bas. Oh, robot, la maçon, c'est toi qui guérit le mot là-bas. C'est toi qui guérit le mot Dieu, mon tamarosaka là-bas. Les cellules malades, les cellules mortes, les cellules détruites dans nos corps.
Nous prions que ces cellules retournent la vie. Makato Yababa, Rekaboro Yababa, Rindolobo Shekabo Samaraba Baba, Rindolobo Sokoto Yababa, in our name of Jesus.
miracle qui se produit dans cette maison. Et que Seigneur Dieu, ton peuple se réjouisse en toi. Ainsi soit-il maintenant. Toi, maladie, entends ma voix aujourd'hui. Maladie, je te maudis aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ta domination, ta présence, ton existence, ton pouvoir, toutes ces choses sont maudites au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que je sais que tu m'exauces. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je fais deux prières avant de clôturer. La Bible dit dans Exode chapitre 31, le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béjalil, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je prie que tu me remplis de ton esprit aujourd'hui. Je l'ai rempli de sagesse. Je prie que tu me remplisses de sagesse. Et je vais prendre les bonnes décisions, d'intelligence, de connaissance, de savoir pour toute bonne et tout ouvrage. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions. Ma soeur, mon frère, notre communauté a pendant longtemps cru que les chrétiens ne sont pas capables de quoi que ce soit. Ils ne peuvent rien faire. On ne peut pas dire que le chrétien, là, il a inventé cet appareil, il a fait sortir ceci et cela. Mais en ton temps et en mon temps, l'esprit qui a reposé sur Béjalil, Seigneur, je prie aujourd'hui, cette force-là qui est venue sur lui. Rabo Sakatoya Baba Shikala Baba Katarao. Magala Baba Shikarao. Quel que soit ton domaine de spécialité, tu vas marquer ce domaine-là. Mon frère, tu dois prier aujourd'hui. Tu dois prier aujourd'hui. Que Dieu qui a rendu Béjalil capable de faire des inventions. Tu es étudiant. Tu es en train de travailler dans un domaine. Seigneur, personne ne va me mépriser. Remplis-moi de l'Esprit de Dieu. Remplis-moi de sagesse. Remplis-moi d'intelligence. Remplis-moi de savoir. Remplis-moi de la capacité de faire des choses. De faire des choses pour marquer mon époque. Marquer ma période. Seigneur, nous prions ma gloire. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il n'y ait personne qui soit faible au milieu de nous. Éternel, nous prions, Seigneur, que personne ne soit faible ici. Nous sommes en train de prier. Qu'il y ait des intelligents parmi nous. Qu'il y ait des intelligents parmi nous. Qu'il y ait des intelligents parmi nous. On dit, Dieu l'a rempli de sagesse. Dieu l'a rempli de connaissances. Dieu l'a rempli de savoir. Seigneur, nous prions. Nous prions, Seigneur. Nous prions, Seigneur. On doit voir parmi nous que ça, c'est des gens habiles, c'est des gens compétents, des gens outillés par Dieu. Ainsi soit-il. Nous prions Let the anointing flow right now, oh God. Open the floodgate right now, oh God. And fill the people, oh Lord, with wisdom, with knowledge, oh God. Ricardo Sana Mama. Que les cieux s'ouvrent sur toi, mon frère. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Si tu prends au sérieux cette heure de la prière, ne te dis pas que je suis fatigué. Ne te dis pas que non, là. Allez, là, j'avais prié assez là. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est l'heure de la prière. Seigneur, la sagesse. Seigneur, l'intelligence. Seigneur, la capacité que Béjalil avait. Et il pouvait faire tout son ouvrage. Toi, tu reçois cette capacité pour réussir toutes les matières auxquelles tu es soumise. Rabba Shikoriamando Sakatalaba. Tu dois exceller dans ton domaine. La sagesse pour exceller dans ton domaine. La sagesse pour exceller dans ton domaine. Seigneur, nous prions, nous demandons, nous prions, nous demandons. L'Esprit de Dieu, oh Rivaka, open the floodgates, open the floodgates, oh God. Open the floodgates, oh God. Open the floodgates, oh God. Reva
Open the floodgate, my Lord, my God. And pour your spirit. And pour your spirit on us. And pour your spirit on us, O God. And pour your spirit on us, O God. And pour your spirit on us, O God. Oh Lord, pour your spirit on us. Pour your spirit on me, O God. Reba soko to yama shikori. Reba to robo shikala. Ina la mama soko to robo shikala. Par une force invisible, par un homme méchant,
Il était poussé, on le poussait, on voulait qu'il tombe, mais il tenait la secoue. Aujourd'hui, je vais prier avec toi. Tout ce qui est contre ma vie, tout ce qui s'oppose à mes progrès, l'homme, l'esprit, les situations qui me poussent pour que je sois un échec, un fiasco. Et qu'on ne garde pas le souvenir de ma personne. Je suis venu au Dieu, c'est pour moi. Pas dans la roche. Qui me détruit ton avenir. Seigneur, sois ma force. Et pour que ce méchant ne triomphe pas de moi. Éternel, ma force. Je dis, Jérémie 16, verset 19. Il dit, Éternel, ma force, mon appui au jour de la détresse. Éternel, ma force et mon appui au jour de la détresse. Je lis le chapitre 15. Le verset 20 et le verset 21. Ora ba shika bu sodu ya ba katara la shiku ya ba ba sodu ya ba ba. O robu koria ba ba sandra. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Comme une forte muraille reine.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Les anointes formées. Il dit, je te rendrai pour ce peuple. Seigneur, en sorte que je sois une muraille derrière. Et que tous ceux qui me feront la guerre ne l'emportent jamais sur moi. Car je serai avec toi pour te sauver, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Et je te sauverai de la main des violents. Let anointing follow me right now. Let anointing follow me right now. Let the power of the Holy Ghost solo come. Let the level soko yamaboshika. Les jeunes de ce groupe. Ne crains pas ceux qui veulent ruiner vos finances. Mon Dieu dit qu'il rendra ton front comme le diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas. Nous allons prier Dieu, dit Dieu.
Toi qui es la force d'Israël, sois la force de ce prophète enfant de Jésus. Et que tous ceux qui feront la guerre, la crise enfant de Jésus, qu'ils tombent aussi le roc. Dieu rend nos fronts plus dur que le roc, plus dur que le diamant. Et qu'il n'y ait pas d'homme, qu'il n'y ait pas de femme, qu'il n'y ait pas de démon, qu'il n'y ait pas de sorcier qui puisse nous détruire, qui puisse nous vaincre. Quelqu'un doit le prier, prier, prier. Quelqu'un doit le prier. C'est l'heure de la prière. Seigneur, je prie que tu pointes ce groupe et que nous soyons d'espoir en espoir, de progrès en progrès, de progrès en progrès. Rends nos fronts plus durs que le roc, plus durs que le diamant. Que nous soyons impactants et invincibles. Qu'on ne puisse pas nous détruire, qu'on ne puisse pas nous arrêter, qu'on ne puisse pas nous affaiblir. Afin qu'on ne puisse pas nous détruire, Seigneur. Rends mon front plus dur que le diamant, plus dur que le roc, Seigneur. Il n'y aura pas de complot qui va monter contre nous, qui va réussir. Il n'y aura pas de complot qui va monter contre un frère, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, au Togo ici, au Bénin, au Burkina Faso, à Côte d'Ivoire, qui va réussir. La mana la mashi kuri ama dosa la mama. Idele la maso kuri na la mama shika la mama. Mano ya dosa la mama. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'étais là en train de réfléchir. Il y a eu certaines personnes qui m'ont marqué. Que le diable a réussi à éloigner de nous. Quand j'ai vu dans le groupe aux États-Unis, j'ai vu qu'il a réussi à éloigner certains. Quand j'ai vu dans le groupe en Europe, il a réussi à écarter certains. Quand j'ai vu au Togo, il a réussi. Et les arguments qu'il donne, c'est des arguments bidons. Tu sais que le gars là, Satan l'a trompé, Satan l'a séduit. Mais aujourd'hui, je suis venu briser les filets de l'autre. Nous allons prier aujourd'hui. Peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Nous allons prier aujourd'hui. Quelqu'un qui est dans la prison de Satan, aujourd'hui, nous prions. Seigneur, ramène au captif, Seigneur. Ricardo Seigneur. Ramène au captif, Seigneur. Ramène au captif, Seigneur. Il y en a que le diable détruit. Nous prions contre le projet de destruction. Voyez le mort. Prions comme ça. Ça va donner pas Dieu. Oh, le diable combat ce projet. Les démons combattent ce projet. Mais aujourd'hui, Dieu sera notre force. Il sera la force financière de ce projet. Il sera la force intellectuelle de ce projet. Nous prions, Seigneur, que ce projet réussisse. Au nom de Jésus, sois notre force. Sois notre force. Sois notre force, Seigneur. Sois notre force. Sois notre force. Sois notre force. Sois notre force, Seigneur. Remarquable, Baba. In the name of Jesus. Partout où tu es, tu peux te lever. Nous allons clôturer maintenant.
Pendant que nous serons en train de chanter, je veux que les malades commencent par s'examiner et que quelqu'un commence par rendre gloire au Seigneur, qu'on commence par l'adorer. Et pendant que nous allons faire quelques minutes d'adoration ici, Dieu va sceller toutes les prières que nous allons faire. Dieu va sceller le groupe musical, donne-moi un bon chant. Un très bon chant qui va toucher le cœur de Dieu maintenant. Et que tu lèves tes deux mains, tu remises tes deux mains. Et tu dis merci au Seigneur. Et que tu dis merci au Seigneur. Rababa shekerebo rebo sakatarabo. Yenerebo rebo shikabo bo sanababa. La 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 la. Oh. Reçois la grâce.
sainteté, dans la pureté, et irréprochable, irrépréhensible au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, il y a des frères, des sœurs qu'on est en train de pousser pour qu'ils tombent. Il y a des ennemis farouches dans les familles et qui disent, ces filles, nous avons signé que l'heure à venir est déjà misérable. Il peut venir à l'église n'importe comment. Il peut prier n'importe comment. Il peut venir à faire le chiffre n'importe comment. Que eux, ils ont déjà arrêté dans le monde des esprits, que lui va terminer mal. Je prie que la force d'Israël vienne sur toi. Amen. Seigneur, je prie que la force d'Israël, le Jésus qui est la force d'Israël, que l'onction qui reposait sur Israël, que cette onction repose sur mes soeurs, repose sur mes frères maintenant. Et celui qui devait rater sa vie, parce qu'il est venu prier aujourd'hui ici, relève sa force maintenant. Le complot qui est formé, ce complot est maudit aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Rends ma soeur imbattable, invincible. Son front plus dur que du diamant, Seigneur. Plus dur que le roc, Seigneur. Qu'il n'y a personne sur la face de la terre, esprit ou vivant, qui puisse le terrasser. Ainsi soit-il aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tous les membres de ce groupe iront de gloire en gloire. Chacun aura une histoire à raconter de la bonté de l'Éternel. Histoire de bienfaits de l'Éternel. Histoire de la protection de l'Éternel. Histoire de la défense de l'Éternel. Mon Dieu te défendra. Mon Dieu te défendra. Là où on t'a opprimé et on continue de t'opprimer, je parle sur toi ce soir. Que la force d'Israël te défende maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que là où les portes sont fermées, que ces portes s'ouvrent maintenant. Que la prospérité financière vienne. Je prie encore une fois pour les malades. Je vais entendre des témoignages de guérison instantanée ce soir. Amen. Que cela arrive. Que cela arrive. Que cela arrive ce soir. Je prie pour les familles représentées ici. Que dans chaque famille ici, qu'il y ait un Béchali maintenant. Quelqu'un qui va apporter la solution. Quelqu'un qui va faire sortir la famille là de la misère, de la pauvreté. Quelqu'un qui va faire sortir cette famille de l'opprobre et de l'humiliation. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, marche au milieu de nous ce soir et fais de grandes choses. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, j'ai prié, j'ai reçu pour tous les frères de l'Église. Quelqu'un applaudit le Seigneur.